Avec même plaisir, nous rejoignons encore pas oublier ou sous TV La Caille. Son plaisir pour nous porter deuxième vidéo ça pour nous. Nous disons merci à Xilayo et qui t'a assisté première vidéo nous. Et nous disons merci à Xilayo tout qui abonné et chaque jour. Et donc, nous ne pouvons pas suspendre. Merci parce que c'est grâce avec vous même qui fait nous encore présents sur le plateau pour nous informer sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Précisément, nous avons fait un coup de patte dans Delma 6, mesdames et messieurs. Et bien, barbecue, ça fait un gros coup là. Et bien, monsieur frappé très fort, T. Watson. Environ 6 bandits, tête coupée, rachée. Bagayo triste dans Delma 6. Nous allons aller vite au gain détail. Et bien, ancien DGPNH, la Mario André Sol, qui lui-même frappé fort. Et monsieur Mettelis, yon groupe sénateur qui est même dans Douaga pays, Colombie d'ailleurs. Ancien président Michel Mateli aussi fait partie. Et bien, nous allons faire des détails parce que y a un pile dossier en deux vidéos. Ça, que nous portons pour Gracia Delva, monsieur prend coutou. Et bien, Negio là, c'est question de Douaga régler dans le pays. Alors que le pays là, c'est un coup d'adou, c'est côté. Eh bien, moun pap vive et c'est drogue nèg yo a fait commerce ak pays Colombie qui c'est un pays qui cause assassinat président République lan Jovenel Moïse et c'est contre ça Jovenel tap goumé dans question drogue nèg a fait eh bien marcher aller retour dans pays a Jovenel te vle suspendre bagay sa yo et c'est là nèg yo t'ap comploté assassinat chef l'état Jovenel Moïse gen moun ki rele l Dessalines Moïse nou pral fò tande detay n'ap tourné vinn jwenn mwen. Nèg yo t'assemble pran 6 nèg et puis coupe tête yo. Ça c'est équipe rival là. Donc nèg k'ap chercher T. Watson yo. Et bien c'est nèg sa yo qui t'a censé faire action si là. Donc c'est nèg yo prend pour T. Watson. J'aime désolé si ou pralé côté on moun moléa ou pap ka aller dans la nuit. Plutôt ou aller la journée. Gen côté ou yé nan moléa ou ap jwenn nèg k'ap pose question qui est sou reconnaître. Ça veut dire bagay la red. Moun nan zon nan di, zon nan te bien paisible. Mais écoutez, gade ki sa, T. Watson vin fait. Gade nan ki sa, T. Watson mete yo. Parce que, écoutez bien, yo plus pas basé sou nèg ki vini kounya kap chache T. Watson. Mais le fait que T. Watson vin kache nan zon nan, eh bien c'est ça qui véritable obstacle la pou yo. Parce que si T. Watson pas vini, yo tap toujours continue à vivre paisiblement. Mais écoutez, avec la présence de T. Watson, bagay la, gâté. Bataille la terre en pile. Information fait quoi que si snek tombé dans colonne T. Watson nan et yo coupé tête yo. Tout nèg sa yo, eh bien fon dit que peut-être y a payé pour un ami, y a payé pour ça yo fait parce que dans la vie gen karma. Et j'en te dis non T. Watson t'a semblé touché par balle. Yon information que nous poko gen confirmation sous lit. Dans la soirée du vendredi, je crois. Eh bien, monsieur qui en face T. Watson yo, les jeunes filles ont fait une attaque. D'ailleurs, yon proche li qui nan bloc moléa. Mais yon pas arrivé prendre, monsieur qui est en chapé. Donc, monsieur la gécole, yon n'a pas get up. Monsieur, son nom c'est Satan. Tête charge. Donc, nan plein nan là, depuis yon konne yon neg, ou te kon parle ak T. Watson, ou gen problème. Ou gen pile problème. Mais gagné de nèg tout y a fait allié avec yo pour aller chercher T. Watson. Nèg sa yo retrouvé yo dans une situation délicate. Pour qui ça me dit délicate parce que gagné un nèg sa yo qui te compte parler avec T. Watson. Gagné un nèg sa yo qui était bien avec T. Watson au point que gagné un pile nèg qui dit que yo pas bataille contre T. Watson. Ça veut dire bagala red dans pleine dans là le Robin des Bois T. Watson. Eh bien, nèg yo ap chache. Nèg yo ap chache pou yo capable mette en bout ak la vie T. Watson parce que T. Watson représente yon véritable menace pou yo la plaine. Gen information qui vient de moi, comme quoi gen affrontement entre Maya Belair et puis Badelma. Nous pral chache gen plus détails confirmé ou infirmé. Information si la, mais déjà, fon dit que si oui, d'après gen information arrivé jeune nous. Bagala li vraiment miel. Deux sénateurs sa yo. Mais faut nous pas oublier, ça c'est ça, André, Mario André Sol dit, tout le monde connaît nous, André, et grâce à Delva, cité dans les affaires drogue. Tout le monde connaît ça. Bon, pour yo parle de également de Joseph Lambert, et suite, suite. Mesdames, messieurs, même monde des sénateurs sa yo nous gagne, hein? Mais l'autre sénateur, ça m'a oublié, non, monsieur qui a acheté Kaïsi Montréal, là.
Canada. M'oublie non, mesdames, messieurs. Fais-moi rappeler mon nom. Ronnie Célestin. Ronnie Célestin. Mes amis, gardons le pays. Est-ce que nous méritons ça vraiment? Est-ce que nous méritons ça? Ou regardez, nous avons deux noms comme sénateurs, mais pas oublier plus. Yo plus. Voilà. Mes républiques que nous devons construire. Ça, sont tabou la rase, tabou lié net. Corruption finie avec paysan. Fini net. Crasé paysan plat. Oui, frère. Voilà. N'a pas pris un nom pour nous encore, Anderson. Nous avons appris le crime là. André Bayo, pour nous, s'il vous plaît, Anderson. André Bayo, cocaïne. Et cap entrant dans paysan, implication, ancien président Michel Martelly. Et avec Colombien, bagaille ça pi grave encore, frère. Eh oui, et pendant que nous prenons non, et monsieur Sao, nous passons l'étape bon tout pour poster une photo et dans le même moment. Alors, et nous prenons non de et sénateur Sao, qui est en fonction et qui est tout. Mandal est arrivé à terme et sénateur et qui fait partie 10 et sénateur et qui était dans le Sénat et République là. On a parlé de Jean-Marie Ralph et Fitier et Jean-Marie Ralph Fitier qui toujours dans le Sénat et République là. Et puis, et nous avons encore Hervé Foucan. Et bien, j'ai que il a regardé dans l'image là, Hervé Foucan, c'est lui-même qui a une ressemblance et avec et Michel Matélian, c'est lui-même qui a avec une chemise rose et là. Et puis, et Jean-Marie Ralph et Fitier lui-même là avec un costume et noir et puis une chemise blanche. En Bali, et c'est deux sénateurs ça, et n'a précisé le tout. Jean-Marie Alpitier, toujours dans le Sénat républicain, Hervé Foucan-Madalpini, avec un ancien et président et Joseph Michel Martelly, et bien c'est trois officiels ça, anciens directeur général et la police, et a fait connaître comme un cap travail de concert avec les pays et la Colombie, d'accuser et il et cocaïne dans les pays et d'Haïti. Oui, on nous avance, frère Pam. En tout cas, c'est grave. C'est très grave. Hein, c'est très grave. Oui, et nous avons avec information. Nous avons écouté. À ce moment-là, individu armé a ouvert un coup de balle sur une foule qui était accompagnée par une bande à pied et fashion matin et d'après les deux et à ce moment-là, dimanche 20 février 2022 dans la rue Camo côté et plusieurs monde a touché et par balle, c'est ça. Journaliste et Woodley et c'est ça, excuse-moi, tabourinet Woodley et François est à rapporter Woodley François et qui dans et fashion et matin côté et lui fait qu'on est incident ça a produit pendant et couplant avec un fanio t'as dirigé le non niveau ça demande ça pour participer avec un défilé bon à pied pour dernier et dimanche après et carnavalesque individu mais t'as tiré et sous foule qui t'a accompagné fashion et maté non niveau oui et camo plusieurs monde t'a blessé et pas mal mais musicien li pas en mesure pour t'a préciser combien monde qui t'a victime et pour finir il n'a fait connaître que la police pas poser information sur incident ça. Dans le moment et incident est déroulé, d'après les sources, nous avons fait confiance. L'été environ 10h30 dans Aswe et n'a pas précisé côté et Mountao, ta victime pendant yoté accompagné et ban à pied, fashion et maté pour te lever dans le niveau et ça de masse pour ta participer dans les derniers jours et près et carnavalesque. Voilà, mesdames, messieurs, n'a pas avancé, nous pas pris trop longtemps, et nous pouvons prendre quelques appels tard de constater, parce qu'il faut nous parler, parce que là, et nous connaissons grand pile dans nous-mêmes, c'est un choc lié, mais en même temps, il n'y a pas vraiment un choc, parce que, pas oublié, grand rapport qui était déjà sorti, Anderson, il était dit que, et c'était celle, sénateur Patrice Dumont, qui pas dans les affaires de cocaïne, qui pas dans les affaires de drogue, comme sénateur, mesdames, messieurs, nous connaissons, nous connaissons ça déjà, et nous connaissons, peut-être oublié, mais, c'est à peu près celle Patrice Dumont. Outendez, mesdames, messieurs, yon nan yon pays, côté gen sénateur, c'est yon grain. Là, d'un yon seulement qui pat nan zafè drogue. Et pendant ce temps, gen qui l'a toujours, ça y a préglo pas koné. Ça y a préglo pas koné, mesdames, messieurs. Pendant ce temps, peuple la même, au lieu peuple la levé, tout al déchouke volé sa yo, m'ou capable comprendre que y a demandé pour ça le minimum nan yon, tout à fait d'accord. Mais, yon te tout passé pour un Ariel. Tout passe pour un sénateur Sao qui va régler en rien, mesdames, messieurs. Voilà, Haïti, République, même dit banane dans trop même, sous gouvernement Sao que nous avons là, sous volet Sao. Oui, femme, c'est un son route lié pour la nation. Avancer. Pour avancer avec information, yo, même si nous avons un jour, qui s'est passé au côté et Pierre Espérance, et lui-même a fait connaître.
que yon monat ou Romel Bell et sous et Lord Ariel Ri ta de kese environ 3 millions de dollars américains et chaque mois pour le bail ensemble avec ancien président et Joseph Michel et Matéli et ben nous un dossier ça et lui même qui pas et suspendant fait tout dans la République et nous t'ai déjà gain foi que Romel Bell qui c'est directeur association et général et douanio et t'ai gain dans plan li pour révoquer et plusieurs employé et cap travailler dans douane et pour aucun ça et bien soit dit soit fait à côté pour petit 180 anciens employés et douane et Port-au-Prince a transféré parce que yo pas dans corruption à tête et général douanio et Romel et Belle cap prend environ 3 millions de dollars et chaque mois bail et Michel Matéli et d'après et Pierre Espérance DG Romel Belle fait qu'on est ces employés qui mettaient et causaient dans la rue et puis remplacer ancien employé ça par un groupe et famille avec des amis qui pas même une capacité pour faire un job là et gens d'état de là et ben jodi là et nous écouter monsieur Sao continue et prôner et corruption dans et direction dans poste directif et dans et nous capable dire monsieur Sao yo continue et prôner corruption dans boîte et l'état et ben jodi là parce que un groupe monde t'a décidé et dénoncer yon action corruption et cap fait dans et direction et douane et ben et jodi nous et tout Romel Bell et Soubopal et même nous dit là qui c'est directeur AGDA et association générale et douane t'a transféré environ 180 anciens employés comme quoi c'est Mounsao qui t'a révélé avec la Pierre Espérance la baille pour bibiti 3 millions de dollars américains chaque mois ensemble avec ancien et président Joseph Michel Matéli. Oui, c'est ça. Nous entendez bien, ça veut dire que l'on pas décidé d'entrer dans la corruption et là n'a pas le de douane Port-au-Prince là mesdames messieurs. À cause que monsieur Sayo pas voulu entrer dans la corruption en quelque sorte, eh bien, il a décidé et changer de position, changer de place, hein, voyons l'autre côté pour corruption capable de faire pire raide dans douane Port-au-Prince. C'est dans ça que nous est là. Et quand même qu'on est que là nous ba gens des infos ça yo, ça bon nous tête fait mal, oui. N'a pas ou info parce que nous même nous pas qui doit cacher ça qui passe dans pays là. Pendant que Dieu nous ouvre, oreilles nous, hein, Dieu nous ouvre, qu'on a esprit troisième elle en l'ouvre sous tous les angles. Mesdames, messieurs, grand pile bagaille qui nous pas connait qui passe dans pays.